Jean-Philippe Sauvage, vous allez présenter Rouxville dans le quintet de lundi à Deauville. La jument vient de bien faire dans une deuxième épreuve à Chantilly. Là, cette fois-ci, elle va devoir monter de catégorie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, ce qui est certain, c'est que la jument est sur la montante actuellement. La course de Compiègne, voilà, j'étais un petit peu resté sur ma faim. Maintenant, je pense que c'est une toute petite jument qui fait 1m58 et qui est épaisse comme une feuille de papier à cigarette. Donc, ce jour-là, le terrain était quand même très pénible et monter deux fois la côte pour des petits chevaux comme ça, je pense que ça a été un tout petit peu trop dur. Voilà, après l'autre jour, c'est sûr qu'on est redescendu de catégorie, mais je pense que voilà, à la valeur où elle est compétitive, que ce soit dans un quintet ou dans une deuxième épreuve. Je pense que par contre, il lui faut un parcours, il faut un bon parcours parce que c'est justement qui a besoin de venir au dernier moment. Voilà. Maintenant, sur une piste plate, je suis sûr qu'elle va faire mieux que sur les pistes en montant comme elle a pu courir là à Compiègne ou à Chantilly. Donc voilà, donc là, une piste plate à Deauville, pour vous, c'est là un bon parcours, elle a son bon voilà. À dire. Exactement, exactement. Maintenant, comme je vous dis, là, c'est quand même des pelotons qui vont être assez fournis. Sur les à Deauville, on sait que c'est toujours un tout petit peu plus, il y a toujours un petit peu plus de, je vais pas dire de bousculade, mais les chevaux vont tous un peu plus loin du fait que justement c'est un peu moins sélectif comme parcours. Donc il faut avoir le bon parcours, il faut trouver le jour au bon moment pour des attentifs que c'est toujours un peu plus compliqué. D'accord. Donc et au niveau du terrain, elle sort un petit peu de tout. Elle se sort de tous les terrains, mais je pense qu'elle a une infection particulière pour justement les terrains. Oui, certains ne s'en sortent pas, elle a la chance de s'en sortir, quoi. Voilà. Exactement, voilà, exactement, tout à fait.